frères et sœurs, bonsoir, nous voici sur TV et Radio de Vie. Donc il va y avoir pendant quelques minutes, mes amis, une exhortation sur, sur la vérité qu'il faut défendre à tout prix. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, nous lisons à partir du verset 20. 1 Roi 18, c'est un passage que beaucoup connaissent, cette histoire qui est très, très connue. Donc Élie et les prophètes de Baal. Élie face à Jézabel donc ici nous avons bien sûr cette scène qui se présente à nous dans 1 Roi 18 et puis nous avons 450 prophètes de Baal et 400 prophètes prêtres d'Achéra donc Achéra et qui aussi représente Astarté mais Achéra particulièrement ici le terme hébreu c'est Achéra donc dans le verset 19 notamment 1 Roi 19 et Achéra était un poteau n'est-ce pas ou encore un arbre planté en l'honneur de cette divinité n'est-ce pas donc très très apprécié des Cananéens, des Babyloniens, tout ça, et des Assyriens, qui étaient également assimilés à Astarté, donc la déesse de la terre. Donc Achéra, c'était vraiment un poteau, n'est-ce pas? Donc un bois, et un endroit qui était comme un autel où les gens allaient faire des sacrifices. Et là, on nous dit justement qu'il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes ou prêtres d'Achéra ou Astarté. Et il y avait en tout 850 faux prophètes, derrière lesquels il y avait bien sûr Jézabel qui était là, cachée. Jézabel est un esprit bien sûr qui travaille dans l'ombre, qui aime passer dans l'ombre ici et là pour semer la confusion et qui maintient Akab sous, son autorité. Jézabel, ça vous le savez, est un esprit qui contrôle toutes les personnes, hommes ou femmes, que Dieu a réellement établi, que Dieu a réellement appelé. Et bien sûr, Jézabel, c'était reine-mère qui a autour d'elle, bien sûr, ses prophètes, et elle a en même temps sa religion. Et nous sommes dans cette, justement, dans ce passage où il est question justement d'un pays, donc Israël, qui était complètement sous l'autorité de Jézabel, sous la manipulation, le contrôle de cette déesse et cette reine, n'est-ce pas, qui avait elle-même établi ses envoyés et, au nombre de 850. Et on nous dit que ces prophètes et ces prêtres mangeaient à la table de Jézabel. Donc, manger à la table de Jézabel. Nous sommes au verset 20. Ainsi, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Donc, vous voyez la scène ici, le mont Carmel. Pourquoi d'emblée le mont Carmel sort? Parce que nous sommes face à une situation dramatique, un pays que Dieu avait visité, qui est plongé aujourd'hui dans les ténèbres, suite à des sacrifices démoniaques, la paganisation de cette nation, la paganisation du culte, et l'établissement des faux prophètes. Et Dieu maintenant convoque le peuple sur le mont Carmel, pour que tout le monde voit. Ça, le Seigneur disait ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le, n'est-ce pas, sur tous les toits, n'est-ce pas? Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le, n'est-ce pas? Ce que je vous dis dans les ténèbres, prêchez-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, n'est-ce pas, dites-le sur tous les toits. Et le Seigneur dit également que nous sommes la lumière du monde. Cette lumière-là est sur une montagne. Voilà l'Ecclésia. Voyez, donc là, Dieu maintenant donne rendez-vous à tout le peuple sur le mont Carmel. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une confrontation. Il fallait une confrontation, mes amis, de puissance. Rappelez-vous bien que Dieu est le Dieu tout-puissant. Et il est dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que Dieu voulait faire taire les hommes ici. Dieu voulait montrer au monde entier qui était à son service. Et qui ne l'était pas. Dieu voulait déshabiller Baal. Et le seul endroit où il allait le faire, c'était le mont Carmel.
un sommet, un lieu très, très élevé, très haut, où tout le monde voyait. Quand on était sur le mont Carmel, mes amis, à l'époque, tout le monde pouvait te voir parce que c'était une grande montagne. Et c'est là le lieu du rendez-vous, le lieu de la confrontation. Et Élie, qui se trouvait seul, d'ailleurs il le dit, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Vous voyez, le peuple ne savait pas lequel choisir, Yahweh ou Baal. Qui était le véritable Dieu? Et c'est la confusion dans laquelle aujourd'hui beaucoup de chrétiens se trouvent. Qui est véritablement Dieu? Où se trouve Dieu? Et où sont les vrais enfants de Dieu? Où sont les vrais serviteurs et servantes de Dieu? Et il y a une confusion qui s'installe. Et ça, vous le savez. Et c'est notre génération. Les vrais sont appelés faux. Les faux sont appelés vrais. C'est la bagarre dans nos églises, des postes, des titres. Et Dieu dit, Moïse, comment Élie dit au peuple, jusqu'à quand allez-vous boiter? Et mes amis, nous savons qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et le Seigneur disait dans Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il faut choisir. Dans la vie, nous sommes appelés à faire des choix. Que choisir? Et nous sommes dans cette génération justement où beaucoup de chrétiens ne savent pas prendre position. Voyez, quelle position prendre? Et ils sont en train de jongler, de jouer avec leur vie, avec leur éternité, à cause des sentiments. Non, mais tu sais, parce que je connais ce frère depuis des années, je connais cet homme depuis des années, tout ça. Vous savez, parce qu'on est de la même tribu, voilà, le sentimentalisme, tout ça. Là. Mes amis, au ciel, il n'y aura pas tout ça. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule race que Dieu va sauver, la race des élus. Amen. Ce n'est pas une question tribale, une question linguistique, une question, mes amis, géographique. C'est une question d'éternité. C'est la question de la mort, de vie et de mort. C'est une question de vie et de mort. Prendre position n'a rien à voir avec, mes amis, nos origines sociales, tout ça là, nos origines ethniques. Prendre position pour la vérité a un rapport avec ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à prendre position par rapport à la parole. Aujourd'hui, nous avons, vous savez que l'Église protestante unie de France a, n'est-ce pas, autorisé la bénédiction des mariages des personnes du même sexe, homosexuelles et lesbiennes. Alors, la question est posée aux pasteurs qui sont dans cette fédération qu'on appelle la Fédération protestante de France. Quelle est votre position? Dites-la clairement. Chrétiens, vous qui êtes dans cette fédération, posez la question à vos pasteurs. Quelle est votre position, pasteur? Parce qu'on ne peut pas participer à la table de démons et à la table du Seigneur. Il faut prendre position pour la vérité tout en respectant les uns et les autres. Tout en respectant tout le monde. Voyez, mes amis, la parole est claire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tel domaine? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? J'ai choisi de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et cela me cause des problèmes, mais ce n'est pas mon problème. Je choisis de suivre le Seigneur jusqu'au bout de mon parcours terrestre. Je crois et je le confesse qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Amen. Je crois et je confesse qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Amen. Je crois et je confesse qu'il n'y a pas d'autre vie que Jésus-Christ. Amen. Je crois et je confesse qu'il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit lui-même dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je crois et je confesse qu'en dehors de la croix, il n'y a pas de délivrance. Je crois et je confesse qu'on ne peut pas se dire chrétien et marcher dans le mensonge, dans, mes amis, la compromission. Je crois et je confesse que la masturbation est un péché. Je crois et je confesse, mes amis, que Dieu aime les homosexuels et les lesbiennes, mais il n'aime pas l'homosexualité. Je crois et je confesse ce que la Bible dit. Amen. Voyez, nous devons prendre position pour la parole de Dieu, pour la parole, tout en respectant tout le monde. Attention. La vérité, elle est, mes amis, immuable, elle est intrinsèque. La vérité est la vérité, elle restera la vérité, mes amis, et que tous les dirigeants, les pasteurs, les enfants de Dieu prennent position pour la vérité, parce que notre génération est la génération qui va persécuter de plus en plus les chrétiens,
D'accord? C'est une forme de persécution qui est très, très subtile. Voyez, il y a une pression qui s'exerce aujourd'hui sur les gens pour qu'ils se taisent, pour qu'ils acceptent d'adorer la statue, mes amis, que les hommes ont érigée. Comme dans Daniel chapitre 3, Nebuchadnezzar a dressé une statue et il a demandé à Shadrach, Abednego et Meshach, ces juifs, n'est-ce pas, ainsi que à tous les sujets de son royaume, de s'agenouiller devant cette statue et de l'adorer. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont pris position pour la vérité. Amen. Nous devons prendre position pour la vérité, Amen. Tout en respectant tout le monde. Attention. Amen. Voilà, le Seigneur a dit, si on te frappe sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. On respecte les gens, on n'insulte pas les gens, Amen. On n'insulte pas les uns les autres. Amen. On respecte les choix des uns et des autres parce que Dieu respecte chacun nos choix à chacun de nous. Mais nous devons quand même dire les choses auxquelles nous croyons. Et je crois ce que la Bible dit, je crois ce que Dieu me dit. Je crois ce que Jésus-Christ a dit. Hein? Donc, Dieu au commencement créa l'homme et la femme. Je crois cela. Vous voyez, frères et sœurs, et nous devons prendre position pour la vérité. Élie se lever dans cette génération, dans sa génération. Chacun de nous doit se lever dans cette génération pour dire aux hommes de ce monde, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà. Et c'est ce que Élie a fait. Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, mes amis, c'était érigé en défenseur de la doctrine, soi-disant, et ils ont égaré le peuple. Et Dieu, mes amis, suscite le prophète Élie. Et Élie dit, n'est-ce pas, au verset 22, et on nous dit, le peuple, au verset 21, et le peuple ne lui répondit pas un seul mot, tellement que le peuple était dubitatif. Complètement dubitatif, complètement, mes amis, versatile, le peuple était perdu. Le peuple n'avait plus de mots à dire, n'avait plus son mot à dire. Vous vous rendez compte ici? Et c'est le cas dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont plus un mot à dire parce qu'ils sont complètement dans la confusion. Ils ne savent plus quoi dire parce que les prophètes de Baal disent que Baal est Dieu. Et Élie vient et dit, c'est Yahweh qui est Dieu. Maintenant, qui dit vrai? Qui dit faux? Voilà ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui. Qui dit vrai? Eh bien, c'est simple, mes amis. On reconnaîtra un arbre, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et c'est ce que Élie a démontré ici. N'est-ce pas? Amen. Élie a été exaucé par le Seigneur. Dieu a envoyé le feu du ciel. Ben voilà. C'est ça la différence. C'est le feu. Amen. Le feu, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est le réveil. Amen. Le feu, c'est quoi? Hein, mes amis, le feu, Dieu, d'abord, Élie arrive. D'abord, il dit, vous êtes plus nombreux que moi. Prenez un, n'est-ce pas, taureau, coupez-le en morceaux et, mes amis, construisez un autel et que votre Dieu réponde par le feu. Il n'a pas tergiversé. Comme je veux dire ce soir également au prophète de Baal, d'Astarté, aux faux chrétiens, pareil, on ne va pas tergiverser. Que le Dieu qui va répondre par des baptêmes, qui va répondre par des conversions, par des guérisons et miracles, que ce Dieu soit reconnu pour le véritable Dieu. Amen, amen, alléluia, alléluia. Un jour, des musulmans sont venus me voir, des salafistes sont venus me voir, ils voulaient un débat, je leur ai dit, je veux bien un débat avec vous, mais ce ne sera pas un débat théologique, ce sera un débat sur la démonstration de la puissance de Dieu qui nous a créés. Amenez-moi un aveugle, je vous amènerai un aveugle. Le Dieu qui va guérir ces aveugles, celui-là sera Dieu. Amen. Ils m'ont dit non, pas de débat. Je dis voilà. C'est ça la différence entre nous chrétiens et les autres religions. C'est que nous ne parlons pas seulement. Amen. Mais notre Dieu, Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est pas les blablabla. C'est la démonstration. Amen. Ouh, Jesus Christ. Alors ils vont dire, non, comme il n'y a pas les miracles, ils vont dire, il ne faut pas suivre les miracles, tout ça. Vous savez, il est dit, à la fin de temps, il y aura des faux prophètes qui vont faire des miracles. On a dit des miracles mensongers. Mais il y a aussi des vrais miracles. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. Ils chasseront les démons. Alors chassez les démons. Voilà, nous venons voir vos vidéos où vous chassez aussi les démons. C'est le mont Carmel. Voilà, ça chasse les démons, ça sort pas. Ça force les gens ne bougent pas. Personne ne tombe sous l'onction pour adorer Dieu. Il n'y a rien. Des arbres secs. C'est pas de l'orgueil, frère.
Vous allez dire, mes frères, qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Ce n'est pas, il faut des gens qui sont courageux, qui prennent position pour la vérité. Les temps sont compliqués. Vous ne voulez pas parler, c'est votre problème, comme le peuple ici. Mais Dieu a appelé des frères et sœurs en ce temps de la fin pour pouvoir prendre position pour la défense de la vérité. Voilà. Élie n'a pas tergiversé. Ici, il n'était pas question d'un débat théologique. Non. Il était question de la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça, mes amis, l'œuvre du Seigneur. Paul dit quoi? Il dit, les signes de mon apostolat ont éclaté parmi vous. Par une patience sans mesure, par des guérisons, des miracles, Paul l'a dit. On envoie, Jean-Baptiste envoie les gens pour demander au Seigneur Yeshua. Est-ce que c'est toi qui devais venir ou il faut attendre quelqu'un d'autre? On nous dit à l'heure même, Jésus-Christ est guéri, les aveugles, les sourds, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts et l'évangile était annoncé. Il a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ a dit quoi à Nathanaël? Il dit, viens et vois. Amen. Tu verras. Hein? Philippe lui a dit ça. Et le Seigneur lui a dit, viens, tu verras encore des grandes choses. Frères et sœurs, le Dieu de la Bible est le Dieu qui parle et qui exécute sa parole. Dans Genèse 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière apparaisse. Dieu parle et les choses se manifestent. Là où Dieu parle, il y a des choses qui se passent. Amen. Là où Dieu parle, il y a des guérisons. Là où Dieu parle, il y a des délivrances. Là où Dieu parle, il y a des conversions. Là où Dieu parle, il y a le réveil. Là où Dieu parle, frères et sœurs, il y a des choses qui se passent. Là où Dieu parle, les gens sont saisis. Pierre ouvre sa bouche. Corneille était visité. Oh, alléluia. Là où je parle ce soir, la gloire de Dieu vient sur vous. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Par la puissance, par le feu, Dieu confirme l'appel qu'il a adressé à ses enfants. Par la guérison divine. Et je prophétise ce soir, toi qui suis ce message, que ta maladie disparaisse, que tu aies témoigné partout, que j'ai été guéri ce soir-là, que ton cancer disparaisse, que ta maladie disparaisse, que ton sida disparaisse. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Paul dit, ma parole et ma prédication, alléluia, n'était pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Oui. C'est par la puissance de la résurrection que les choses se feront, mes amis. Oh, alléluia. Quand on verra des aveugles voir encore, des sourds entendre encore, c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'évangile. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Voyez le feu là. Voyez le feu chez vous. Voyez le feu de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de la résurrection. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon roi. Oh, tu es magnifique Seigneur. Tu es magnifique papa. Tu es magnifique Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit, ils ont prié du matin au soir, aucune réponse. Les faux, ceux qui ne sont pas mandatés par Dieu, ils vont prier, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais ceux qui sont de la génération d'Élie, des hommes qui ont rencontré Dieu, des femmes qui ont rencontré Dieu, frère, alléluia. Oh, il y a quelque chose ici. Quand ils viennent, ils restaurent l'autel. C'est des restaurateurs. Élie a restauré l'autel. La restauration des églises. Alléluia. Une église glorieuse. Une église influente. Oh, alléluia. Alléluia. Élie a restauré l'autel. Alléluia. Et Élie dit, oh, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, oh Yahweh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël,
et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi par le feu. Oh, réponds-moi par le feu. Oh, alléluia. Afin que ce peuple, réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi Yahweh qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Vous avez déjà vu un feu qui consume la pierre? Le feu de Dieu. Alléluia. Ouh, alléluia. Les cœurs de pierre seront consumés par le feu céleste, frères et sœurs. Et la Bible dit, alors le feu tomba du ciel. Ouh, ya, 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 ya. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. Voilà, le peuple verra. Le peuple, lui, veut simplement voir. Le peuple est malade. Les gens ont le sida. Les gens ont le cancer. Les gens ont des problèmes, frères et sœurs. Et Dieu répond comment? Par des visions, par des songes. Pendant la nuit, Dieu parle. Il dit à ses enfants qui il a appelé et qui il n'a pas appelé. Vous n'allez plus tromper les gens. C'est fini. Amen. Fini. Les vrais chrétiens, mes amis, sont réveillés. Ils seront de plus en plus réveillés. Ils auront des visions et des songes. Parce que Joël 2, 22 le dit. Dieu va répandre son esprit. Vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Dieu répond. Il y aura de plus en plus de guérisons parmi les enfants de Dieu. De plus en plus de délivrances parmi les enfants de Dieu, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu va libérer son peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. L'ennemi est loin des enfants de Dieu. Loin de nous, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Prenons position de la prière comme des intercesseurs, des prêtres que nous sommes. Bénissons nos pays. Bénissons les autorités. Prions pour les autorités. Prions pour ceux qui nous persécutent. Bénissons ceux qui nous maudissent. Mais défendons la vérité, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Prenons position pour la vérité, frères et sœurs. Au nom de Yeshua, la vérité, c'est elle qui nous délivre. Il n'y a qu'une seule vérité, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis, frères et sœurs, oh, alléluia. Vous pouvez critiquer les vrais enfants de Dieu, mais vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, détruire l'œuvre que Dieu fait dans leur vie. Jamais, 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 au nom de Yeshua. Qu'on vous insulte, c'est biblique. Qu'on vous traite d'imposteur, c'est biblique. Ne soyez pas choqués, c'est écrit. Jésus-Christ a été traité comme ça. De séducteur, d'imposteur, de voleur, de tout ce que vous voulez, de mangeur et de buveur. Mais il a achevé l'œuvre du Père. Fermez les oreilles, faites l'œuvre du Père jusqu'au bout. Dieu va vous accompagner et vos ennemis seront confondus au nom de Yeshua. Ne cherchez plus les acclamations des hommes. Faites l'œuvre que Dieu vous a confiée jusqu'au bout et que Dieu vous garde, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Nous sommes dans une génération où Yeshua est en train de revenir pour nous prendre, mes amis, et l'ennemi va se lever de plus en plus, mais les vrais chrétiens sont debout. Ils sont en train d'intercéder, frères et sœurs, que Dieu vous garde comme Élie. Défendons la parole de Dieu, mes amis, au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, frères et sœurs, au nom de Yeshua. À bientôt sur TV Lévis, demain 20h30, heure locale. Que Dieu vous garde. Au revoir.